livre qui s'appelle Une vie en l'air et que j'ai mis 20 ans à écrire, enfin plus exactement dont je repousse l'écriture depuis 20 ans parce qu'il est consacré à un lieu où j'ai passé peu ou prou 30 ans de ma vie et qui est un lieu dont j'ai toujours voulu parler, qui m'a habité, hanté, fasciné, que j'ai hanté aussi beaucoup. Et j'ai toujours retardé l'écriture parce que j'étais persuadé que parler de ce lieu romprait le charme qui m'y liait, en fait. Et que, un petit peu, vous savez, quand vous êtes enfant, vous avez une enceinte ou un château imaginaire, etc. Dès que vous en parlez à des adultes, il n'existe plus, en fait. Et donc voilà, j'ai cessé de repousser l'écriture de ce livre-là. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que j'ai appris il y a 2 ans que c'était un lieu qui allait être réutilisé et que donc j'en allais être exproprié en fait. Alors qu'est-ce que c'est que ce lieu ? C'est une barre de béton qui fait 18 km, qui est sur des piliers entre 7 et 8 mètres de hauteur et qui traverse la Beauce. Donc un paysage très plat, agricole, et on voit cette barre au milieu des champs. La voie ferrée l'allonge, la route nationale l'allonge, et quand on passe à côté, on ne sait pas ce que c'est en fait. Et c'est vraiment, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas d'histoire, c'est un espèce de château des Carpates post-industriel au milieu des blés. Et on ne sait pas ce que c'est, et ce que c'est une rampe d'essai, sur lequel a été testé un appareil qui devait révolutionner le transport dans les années 70 et qui s'appelait l'aérotrain. Il se passe quelque chose autour de ça. En fait, si j'écris... Enfin, c'est pas extraordinairement clair pour moi. Et c'est pour ça qu'il y a des livres, en fait. Si tout ça était très transparent, si je savais pourquoi je retournais pendant 30 ans sur les mêmes lieux, etc., s'il n'y avait pas d'énigme, il n'y aurait pas de livre, en fait. Mais oui, il y a quelque chose qui a à voir avec habiter, en fait, avec l'habitat. C'est-à-dire, non pas le logement, la place utilitaire qu'on occupe, où on dort, où on mange, etc., mais habiter, c'est... trouver un lieu où l'espace est plus grand que l'espace visible, où il y a des choses qui vous traversent, où il y a des constructions qui vous sollicitent, où la frontière entre le réel et l'imaginaire est beaucoup plus ténue, etc. Et donc du coup, il y a plein de choses, il y a plein de terminaisons nerveuses en fait qui vous attrapent et qui font que vous revenez toujours au même endroit. Et l'écriture est beaucoup liée à ça en fait, à cette espèce de retour perpétuel, en fait, de surplace, en fait. C'est des lieux où j'ai fait beaucoup de surplace. Et aussi à la joie, c'est-à-dire tous ces lieux-là, c'est à la fois des lieux... c'est absurde quand on a 40 ans de continuer à monter sur une rampe de béton abandonnée, je veux dire, c'est complètement crétin. Et en même temps, c'est des endroits, des lieux et des moments où j'ai été puissamment heureux, en fait. Et il y a quelque chose d'essayer de rattraper ça, de... L'habitat, ça a à voir avec ça aussi, à voir... en fait, c'est une érotique de l'espace, voilà. Ça a vraiment à voir avec ça, à trouver des endroits où l'érotisme, ça n'a pas seulement à voir avec le corps de l'autre, ça a à voir aussi avec tout ce que le corps de l'autre appelle, ouvre comme espace. Mais là, c'est pareil, en fait. Alors, je suis d'accord, d'écrire une barre de béton comme un lieu érotique, c'est un peu exagéré, mais moi, c'est comme ça que je le perçois, en tous les cas. Et de fait, c'est un lieu très, 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 très évocateur. La résolution, c'est un moteur de l'écriture. En règle générale, j'arrive rarement à la résolution, heureusement, parce que souvent, mes livres sont issus... en fait, c'est toujours des livres d'exil. C'est-à-dire que je commence à écrire... C'est jamais des livres de... j'écris jamais quand je suis à un endroit et quand je suis heureux, en fait. En règle générale, j'écris quand j'en suis chassé et quand il faut retrouver quelque chose. Et il faut retrouver un endroit, retrouver un repère, retrouver une voie, retrouver une ligne. Et c'est vrai que ce livre-là, par exemple, je l'ai beaucoup moins écrit... Enfin, je l'écris avec l'espoir que je trouverai exactement ce que j'ai bien pu foutre là-haut. C'est pour ça aussi que ça s'appelle une vie en l'air. C'est-à-dire que c'est non seulement une vie à 7 mètres de haut, mais c'est aussi une vie jetée par-dessus bord, en fait.
littéralement. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup plus écrit pour reprendre possession du lieu. Souvent, je fais ça. C'est-à-dire que des lieux dont je suis chassé, alors soit parce qu'il y a des remembrements immobiliers, soit parce qu'il y a des développements industriels, soit parce que les terrains sont rachetés, soit parce que là, en l'occurrence, il y a carrément toute une expérimentation technologique dessus. Souvent, mes livres sont des tentatives de reprendre pied, en fait. De dire, bah, très bien, il y a une vie normale, il y a des échanges, il y a des achats, des ventes, des concessions, etc. Mais il y a aussi autre chose. Et voilà ce qui a pu se passer, et voilà tout ce qui s'est passé à cet endroit, en fait.